je donne des cours de stand-up et je vais vous montrer ma classe. Eh les cours de stand-up, vous êtes chauds? C'est la bonne classe. Et bien sûr, on rigole à ces blagues. Tu fais une blague, tu te marres, ok? Parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est drôle, ok? Parce que les gens, c'est des cons. Aussi, n'hésitez pas, bien sûr, quand vous voulez appuyer une blague, un prout, ça marche toujours. C'est toujours drôle. N'hésitez pas à faire des accents, par exemple l'accent italien. Doudou, dis donc. C'est peut-être pas compris. Vous connaissez peut-être pas l'Italie. Paros. Одинокий. В тумане море голубом. Что ищет он в краю далеком? Что кинул он в краю родном? Quando eu vi a minha mãe, que estava fodido com um caralho, é, olha, eu vi o gajo que estava a estacionar o carro. Sim, é così, não, mas veramente, mas andate a fare in culo tutti. Et c'est bon, on est en France ici, oh! Pourquoi il parle pas français? Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre le français, alors. C'était de l'anglais, non? Caralho. C'est important aussi d'avoir une technique, d'avoir des exercices aussi, bien sûr. Sur un des trucs les plus importants, c'est la règle de 3. New York, Martinique... Stevie Boulet, ça marche pas, c'est pas ça, attends. Attendez. Ah non, c'est... Non, si. C'est la règle de... Attends. Je vais regarder sur Internet. On capte pas. Bon, on va regarder une vidéo. Ну, это так весело. Такая была такая шутка, что-то там ду-ди-ду. Mon concept d'éducation, c'est toujours d'être souple, d'être gentil, la bienveillance. La bienveillance, c'est une des choses les plus importantes dans l'éducation du stand-up. Il faut bouger comme ça. Tu parles comme ça. T'es une teubée ou quoi? Lève les bras. Lève les bras. Lève les bras, laisse les bras ouverts. Comme ça, voilà. Mais t'as pas de charisme, c'est fou ça, on dirait un truc plat là, une salade. Oui, je finis une salade. Oh là là. Baisse les yeux. Lève les yeux. Non mais regarde pas, lève les yeux. Mais t'es teubé en fait. Salade. Ça filme là. Bah, moi je pense que c'est un cours qui va vraiment m'aider à prendre confiance en moi. Et je me rappelle de tous leurs prénoms. Il y en a un qui s'appelle Nicolas, l'autre s'appelle Nicolas... Je crois qu'ils s'appellent tous Nicolas, en fait. Hein. Enfin, j'espère, en tout cas. Et donc, c'est ça, l'humour. Les futures stars de l'humour.